Bonjour les amis, bonjour à ce périscope du jour. Je vous fais profiter un petit peu de la vue. Je suis ici à Biarritz. Et regardez comme cet endroit est paisible. On peut voir au loin ces voiliers. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Elodie, bienvenue. Bienvenue à ce périscope. Je suis à Biarritz. J'avais envie et besoin de me retrouver ici dans cet endroit paisible, au bord de l'océan. Bonjour à ceux qui rejoignent mon périscope. Donc ici, dans ce lieu paisible, au bord de l'océan, au pied de Biarritz, de la grande plage de Biarritz. Et je reviens, vous voyez, je suis en costume et puis en sombre. Je reviens d'une cérémonie funéraire d'un ami qui nous a quittés. Et le fait de venir ici, ça me permettait un petit peu de me vider la tête. Et j'avais envie de partager avec vous un message vraiment d'amour. Un message d'amour vraiment ici, au bord de l'océan, dans cet endroit magnifique. Vous voyez là derrière l'Espagne. J'avais envie de dire, aujourd'hui j'ai assisté donc à une cérémonie funéraire qui en fait n'est jamais un moment agréable, bien entendu, si ce n'est que si on peut voir les aspects positifs de ces moments-là, c'est l'amour de ceux qui restent, c'est l'amour des amis, c'est l'amour de la famille, c'est l'opportunité de se retrouver. Et malheureusement, on se dit toujours, malheureusement, on se retrouve à ces moments-là alors qu'on aurait pu se retrouver avant. Et bien entendu, s'il y a un message plutôt positif et d'espoir à donner, en tout cas, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui par ce périscope ici, dans cet environnement absolument somptueux et paisible, vraiment dos à l'océan, c'est aimons-nous vivants. C'est n'attendons pas qu'il soit trop tard pour nous aimer. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour nous dire je t'aime. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour faire la paix. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour enterrer les haches de guerre. Et parfois, ces haches de guerre, on les a déterrées pour des raisons qui sont souvent, quand on y réfléchit, très futiles. N'attendons pas que des êtres chers partent pour leur exprimer tout l'amour qu'on en a pour eux, ou tout simplement exprimer ce que l'on voudrait exprimer à leur égard, que ce soit de l'amour ou des choses que l'on veut dire depuis tant d'années. N'attendons pas que les gens partent. Là, pour ceux qui nous rejoignent, je répète, je suis ici à Biarritz, j'avais envie de me vider la tête, je reviens d'une cérémonie funéraire où un ami a été, où on a justement pris, on a quitté donc un ami. N'attendons pas le dernier moment pour dire aux gens que nous les aimons. Ne nous laissons pas happer par cette vie qui semble être tellement chronophage. Allons voir notre famille, allons voir ceux que nous aimons, allons dire pardon, allons accepter les excuses. Vraiment, la vie est là, profitons-en, elle est tellement belle, il y a un feu intérieur. Ce qui fait vivre ceux qui nous quittent, c'est justement ces souvenirs, ces bons souvenirs qui sont en nous. Et les gens qui nous ont quittés vivent encore en nous, au travers de nous, au travers des souvenirs que nous avons en notre cœur. Et puis ce qui fait vivre ceux qui restent, c'est la foi. Alors la foi, c'est pas spécialement un acte religieux. La foi, c'est un acte tout simplement, un acte du cœur. La foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas mais qui existent, que ce soit tant dans notre tête que dans notre cœur, que au-delà, pourvu que cela nous fasse vivre, c'est d'arriver à donner du sens, un sens positif à notre vie. Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu moins joyeux que d'habitude, mais bon, néanmoins ce message reste optimiste et positif dans ce sens où aimons-nous vivants et disons aux gens que nous les aimons avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, j'avais envie de dire ça ici, j'avais envie de m'isoler un petit peu ici pour me vider la tête. Je sais pas, vous qui êtes là, vous qui me regardez, ben, allez-y, partagez avec moi un petit peu ce que vous ressentez. C'est l'occasion justement de pouvoir avoir un contact, et c'est justement l'avantage que nous avons avec Periscope, c'est de pouvoir partager ensemble ce que nous ressentons. Alors aujourd'hui, bon, j'ai l'habitude de donner des messages extrêmement positifs. Hein, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Poulart, conférencier professionnel international, spécialisé dans l'optimisme. Et voilà, et donc la vie étant, la mort fait partie de la vie. Vous entendez, la mort fait partie de la vie. Et c'est à nous à pouvoir lui donner un sens positif.
Donc voilà, je vais, pendant que vous regardez, je vais vous faire profiter un petit peu. Magnifique. Et vous comprendrez pourquoi j'ai voulu venir ici. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, n'hésitez pas à m'encourager, n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager avec moi ce que vous ressentez. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Biarritz. Biarritz aujourd'hui. Magnifique, en direct. Il fait beau, il fait chaud. Je suis sur la falaise, sur la corniche. Et je suis venu me vider la tête ici. Merci pour ces petits cœurs. C'est super encourageant et je partage avec vous cette vue magnifique. Je dois faire attention où je mets les pieds. Donc mon message du jour, c'est aimons-nous vivants. Enterrez les haches de guerre. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour faire la paix avec ceux que vous aimez ou même ceux que vous n'aimez pas, peu importe. Le principal, c'est que vous soyez en paix. Et faire la paix avec les autres, c'est aussi se faire un cadeau à soi-même. Offrir son pardon, c'est aussi se faire un cadeau à soi-même. Regardez, le phare de Biarritz qui aussi peut faire office de métaphore. Quel est le phare dans votre vie qui vous guide? Quelle est cette lumière qui vous guide? Quel est le sens que vous donnez à votre vie? Quel est ce phare qui guide les marins qui viennent de là-bas au loin, qui leur dit qu'ici, il y a une côte? Voilà. Aimons-nous vivants. C'est le message du jour que je voulais donner. Merci pour ceux qui m'ont regardé. Merci d'avoir partagé des petits cœurs. Vous n'avez pas dit grand-chose, mais bon, c'est peut-être normal. Aujourd'hui, le message était un petit peu moins positif que d'habitude. Bien que, si, justement, aimons-nous vivants et faites brûler cette petite flamme qui est en vous. Pour moi, c'est extrêmement positif. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Et je vais clôturer ce périscope avec une vue sur... À très vite.